Bonjour à tous, voilà, c'est une réponse pour Maël. Elle a une autre question. Est-il possible de déplacer un nœud encore rigide? De déplacer un nœud encore rigide? Ouais, je vois pas pourquoi on va le déplacer, enfin bref. On va voir ça. Je vais mettre par exemple déjà un cube que je vais mettre dans un nœud. Je vais mettre. Ah bon, quand même, je n'y arrive pas. Un neutre et dans un neutre et dans un neutre et dans un neutre. Voilà. Donc, mon cube ici, si je mets par exemple, hop, simulation corps rigide, voilà. J'ai mon cube. Ah, j'en mets. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux le déplacer. Que je le mette ici, dans le neutre ici. Je peux toujours déplacer mon cube. Je peux déplacer toujours le neutre. Et ainsi de suite, n'importe lequel. Voilà. Tant qu'on est dessus, j'ai enlevé. Je vais en mettre ici. Par exemple, mon corps rigide. Tiens, par exemple, on va commencer par celui-là. Vous voyez? Ça fonctionne malgré qu'il soit dans les neutres. Hein, sur n'importe lequel, que ce soit celui-là, celui-là, il fonctionne. Ok. Par contre, je vais enlever, si sur ce neutre-là, je mets simulation corps collision. Voilà. Je vais prendre ici, par exemple, une sphère. Hop, je vais la mettre là. Et celle-là, je vais mettre en corps rigide. Si je fais lecture, passe au travers. Il faut que je mette ici mon corps collision sur mon cube. Voilà. Et donc là, il passe plus au travers. J'aurais dû mettre ici plutôt un corps souple. On l'aurait mieux vu. Simulation corps souple. Voilà. Ok. Par contre, ici, bon, c'est pareil, hein, pas que le corps souple, hein, si je le mets ici sur le neutre, que je fais aller, pss, passe au travers, hein, d'une façon ou d'une autre. Ok. Donc, corps rigide fonctionne. Ça, on l'a vu, lui fonctionne sur le cube, il n'y a pas de souci. Par contre, si on met un corps souple, eh bien il ne se passe rien. Donc le corps souple, lui, il faut le mettre sur le cube. Et là, ça fonctionne. Dès qu'on le met dans un neutre, voilà. Tout simplement. Je crois que ben, j'ai répondu à toutes les questions. Déplacer un neutre en corps rigide, cela je comprends pas trop. Donc le déplacer, vous voyez, bon, on a pu le déplacer. Bon, j'ai quand même fait voir pour corps rigide, corps souple, corps collision où faut les mettre pour que ça fonctionne. Donc voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand-chose. Celui-là, je vais là. Tiens, je vais mettre là. Hop. Si je fais ça ici, il va passer. Hop, au travers, c'est normal. Simulation. Corps collision. Là. Allez, ça marche pas. Il faut bien le mettre sur le cube. Voilà. Ok. Donc, ben, j'espère que j'ai répondu à sa question. Bon, là, j'étais un petit peu plus loin. Ça peut profiter à d'autres aussi en même temps. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'avais un truc à dire, et puis je me souviens plus. Oui, j'ai un long week-end là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va faire du bien. On va continuer ici. J'ai fait connecter, on va voir instance. Il faudra que je m'occupe de continuer ça.
tranquillement. Parce qu'il y a encore plein d'autres à s'occuper ici. Voilà. Comme les entrées des classes, ça se fait petit à petit. Au plus ça va, au plus on a d'élèves. Donc, voilà. Ok. Donc, je vous dis une bonne semaine à tous et un bon week-end et à la prochaine. Allez, ciao.